Cécile de Ménibus ont dû avoir les oreilles qui sifflent. Sur le plateau de chez Jordan, l'émission de Jordan Deluxe, Myriam Abel a réglé ses comptes avec les animateurs. Il faut dire que la gagnante de la Nouvelle Star ne garde pas de bons souvenirs des deux. Après la sortie de mon premier album, Jay était faire la promo chez lui, avec l'autre que j'aime pas non plus, Cécile de Ménibus, a commencé Myriam Abel, qui n'a donc rien oublié. Et comme j'avais sorti mon album 7 mois après ma victoire à Nouvelle Star, il avait fait une chronique Myriam elle met 7 mois pour. Et du coup, moi, j'avais 20, 22 ans, ça m'avait blessé, je m'étais même mise à pleurer sur le plateau. Et du coup depuis, je le déteste. Comme Koé, Cécile de Ménibus a aussi laissé un souvenir amer à Myriam Abel. Sur le plateau de chez Jordan, la chanteuse s'est souvenue l'avoir rencontrée lorsqu'elle participait aux Anges de la télé-réalité. À l'époque, elle avait été invitée chez Jean-Marc Morandini où travaillait l'animatrice. Elle je peux pas me la voir, j'avais été invitée chez Morandini après les Anges Hawaï, parce que j'avais dit dans une conférence de presse que c'est bien The Voice, mais Jennifer, c'est pas The Voice. Là, je me suis faite flinguer partout, et Cécile de Ménibus elle m'a dit, t'es qui toi pour dire ça? Je suis beaucoup plus à même pour donner mon avis en tant que chanteuse. À l'époque, les deux femmes se sont violemment pris la tête, ça avait été loin sur le plateau, c'est rappelé Myriam Abel. Pendant et après, en gros, elle disait que moi, puisque je n'avais pas vendu autant de disques que Jennifer, je n'avais pas le droit de dire ça. Myriam Abel se paye Jennifer. La séquence dont Myriam Abel parle remonte à 2012. Quelques semaines avant d'être invitée sur le plateau de Jean-Marc Morandini, elle avait donné son avis sur The Voice. J'aime beaucoup Jennifer, mais elle n'est vraiment pas crédible comme coach. Toutes les candidates chantent mieux qu'elle, avait-elle déclaré à télé 2 semaines. Et d'ajouter dans Les Anges, elle n'a pas les arguments pour coacher des chanteurs, elle n'a pas une technique vocale, elle ne sait pas les corriger. Cécile de Ménibus a donc donné son avis sur les propos de la chanteuse. Personnellement, vos déclarations m'ont choquée. J'ai envie de dire, qui vous êtes pour critiquer Jennifer? Avait-elle lancé en direct. Scène est suivie une prise de bec très violente qui aura duré plusieurs minutes et laissé des mauvais souvenirs aux deux femmes. Les années qui ont suivi, Myriam Abel n'a jamais mâché ses mots au sujet de Cécile de Ménibus et de Jennifer. Mais je réédite, je ne pense pas que Jennifer soit une, ce n'est pas une voix exceptionnelle. Un coach doit donner des directives à ses élèves. Je trouve qu'elle ne le fait pour moi, Florent Pagny, c'est un vrai chanteur. Il donne de vrais arguments, décrivait-elle dans une interview accordée à Jerem Star avant de tacler une nouvelle fois l'animatrice, cette connasse. Parenthèse fermante point. À elle, vraiment, si je la croise. Elle m'a scotché ce jour. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'attaque comme ça. On s'est trashé sur Twitter. Depuis quelques années, la rancune s'est tassée et les deux femmes ont continué leur carrière chacune de leur côté. Myriam Abel, ses confidences sur sa perte de poids à Jordan Deluxe, Myriam Abel s'est aussi confiée sur sa transformation physique. La chanteuse a expliqué avoir fait n'importe quoi au niveau de son alimentation pendant de longues années, j'étais en surpoids, je pesais 70 kg pour 1,56 m, j'avais vraiment une très mauvaise alimentation, et comme j'étais mal dans ma peau, c'était un réconfort pour moi, l'alimentation. Très complexée par son apparence, elle a suivi un rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu 20 kg en 4 mois. Ce n'est pas dangereux parce que je ne me prive de rien. Ce n'est pas un régime, je ne suis pas frustrée, a-t-elle continué, bien dans sa peau. Désormais, Myriam Abel se sent super bien dans sa peau. L'étape d'après, c'était la liposuccion. Là aujourd'hui, je suis hyper heureuse et hyper fière d'avoir perdu tous ces kilos sans passer par la liposuccion. À propos de l'hôtel ou du Creux derniers